au jour d'aujourd'hui, là, on n'a plus besoin de se courager pour faire débat. C'est ce que tu dis là, tu dis, quand tu attends ce qu'il dit, tu détruis s'il y a du faux dedans. Voilà. Moi aussi, j'attends pour toi, il détruit s'il y a du faux dedans. Tu restes dans ton coin, je suis dans mon coin. Et la guerre des idéologies vont s'affronter. Voilà. Alléluia. Actuellement, la Russie en Ukraine, l'Amérique est en Amérique, la Russie en Russie, mais c'est l'affrontement en Ukraine. On ne sait pas où se trouve la Russie, on ne sait pas où se trouve l'Amérique, mais le combat se passe. Distance. Donc nous ne sommes plus à l'ère maintenant de confrontations physiques. Mais nous sommes à l'ère de la nucléarisation. Je reste ici, je frappe, toi tu restes là-bas, tu frappes. Oh, ici, là, il y a les boucliers actifs ici. Alléluia. Alléluia. Ce qui fait notre force là, nous agissons comme notre maître. Il ne dit pas nom de quelqu'un. Il dit pharisien, scribe hypocrite. Oh, pharisien, scribe, c'est pas nom de quelqu'un. Mais chacun se voit dedans. La coquille là, on sait que c'est scribe pharisien, mais à l'intérieur c'est toi. Mais on dit pas ton nom. C'est ça qui fait mal. Michel, Michel. Alléluia. Les hôtels, vous êtes de la battitude. Nous sommes dans la latitude, vous êtes de la battitude. C'est pourquoi vous dites toujours mon nom, mais moi je ne peux pas dire votre nom. Sans dire votre nom, déjà la cible est écrasée. Les données sont bien coordonnées aux frappes. Des frappes chirurgicales. Et le cercle est verrou et puis aux frappes. Est-ce qu'il y a besoin de vous voir pour vous dépouiller? On dit, il est écrit la puissance de la parole. Au commencement était la parole. Alors, notre devoir c'est de mettre l'ordre. Alléluia. Vive la polygamie. Vive la polygamie. Vive la polygamie. Je vois des femmes qui combattent la polygamie. Que Dieu ait pitié de toi. Alors que toi-même tu es piné, c'est qu'on te met dans le noir. Moi je plaide pour que tu sortes du noir. Tu trouves que je suis contre ton intérêt. Alors que toi, on te met dans le noir. Il n'arrive pas à comprendre quoi. Toi, tu es Kiza, c'est toi qui fais jalousie. Moi, je vais enlever le nom de Kiza là-dessus. Toi, tu dis non. J'ai dit, on prêche un évangile que je ne suis pas d'accord. Dans la condition de laquelle tu es là, ça te plaît. Toi, tu es dans le noir. Relation du noir, là, ça peut te donner quoi? Femme de noir. Donne ta vie au Seigneur. Et crois à la polygamie. Alléluia. Il y a des plaisantins qui nous voient prêcher pour dire, oh, la pauvreté en Afrique fait que les gens ne savent plus ce qu'ils vont faire. Toi-même là, tu fais quoi? Depuis toi qui n'es pas pauvre, qui est riche, tu as changé quoi en Afrique? Petit plaisantin. Vous n'avez rien à faire. Et d'ailleurs, vous cachez sur les blancs là-bas, c'est vous qui vous jouez le gangaba. Et on constate même aussi que ce n'est pas une langue africaine que tu prends pour écrire. Mais c'est sur Facebook des blancs tu parles, c'est sur Facebook des blancs tu écris. Toi tu fabriques quoi? Tu n'es rien. Tu n'es rien. Et ils pensent qu'on n'a rien à faire, donc on dort, c'est ta mère, ton père qui nous nourrit. Et puis on vient parler. Comment tu vois cela, ça te dit, tu ne réfléchis pas. Jusqu'à 7h, il y a encore des singes, des primates au milieu des Africains. Et toi, tu es véritablement un racin pour ces primates-là. Le reste des singes parmi nous les humains en Afrique. Petit bâtard. Amen.